Psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse son serviteur et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les peaux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel.